Les gars, je peux pas parler très fort, je suis dans mon couloir et ça résonne. On va à Saint-Tropez. Salut. Ah mais attends, mais Thomas, je t'ai même pas présenté. Je vous présente Thomas. Comment te présenter? Un ami d'enfance. On peut dire ça comme ça. Juste pour vous expliquer un petit peu, Thomas c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis toujours, on a fait les 400 cours ensemble, il fait presque partie de ma famille, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, on peut aller à Saint-Tropez, on peut aller n'importe où, passer une journée ensemble, c'est la famille. On passe la journée aujourd'hui à Saint-Tropez, on est dans un mood de manger, de bronzer, de boire un petit peu, et voilà. On a le droit de dire ça sur YouTube. Bien sûr, ils m'ont vu dans les états, c'est comme la famille, c'est la famille, Thomas c'est la famille, et vous c'est la famille, regardez. On attend nos pâtes. Moi j'ai pris des pâtes, vous me connaissez. Je vais faire une sieste, Sarah. On va aller faire les magasins. Tu veux? Aujourd'hui, on a décidé de dépenser tout notre argent jusqu'au dernier centime. Exactement. Non, c'est pas vrai. Tu vois rien? On a trop bien mangé. Là, moi j'ai envie de bronzer. On est dimanche, je pars mardi. Je veux être bronzée. En vrai, on est trop content d'être là. Il fait trop beau. On bronze. Après, je pense qu'on ira un petit peu dans le centre de Saint-Tropez. On est en train de me voir galérer. On va faire une photo pour Instagram. Je suis obligée d'être en short. Vous savez pourquoi? Les filles savent pourquoi. Du coup je peux pas me baigner. Si jamais vous venez à Saint-Tropez, si je peux vous conseiller une plage, nous on est allé à Tahiti. Franchement Tahiti plage c'est grave cool, parce que Saint-Tropez, enfin vous vous doutez je pense, les prix franchement c'est des malades mentaux. Et Tahiti c'est vraiment pas la plus chère et ils sont trop gentils, trop gentils. Je suis trop contente de faire une petite journée en sachant que je pars bientôt, ça me fait trop du bien. Il est 16h, 16h tout pile. C'est l'heure de ma vidéo vu qu'on est dimanche. Je suis sortie le vlog à Barcelone, si jamais vous l'avez vu. Donc je vais vite aller à la serviette. Ce que j'aime trop faire à 16h, c'est d'être dans les commentaires et de répondre à tous vos commentaires. Ma vidéo est en ligne, tu vas aller la voir. Combien de la fois? Les droits d'auteur. Ah non c'est bon, elle chante. Je regarde vos petits commentaires. Quelle heure il est? Il est 17h hein. C'est passé vite en vrai. Le plus important actuellement, c'est d'entretenir notre bronzage. A few moments later. On s'en va. L'étape cruciale, des chaussures après le sable. Quel enfer de mettre des baskets. Tous les étés, je fais la même chose. Je me dis, non mais moi j'ai pas envie de mettre des tongs, j'ai des trop grands pieds. À la fin de l'été, je m'achète des tongs, je les mets 3 jours. Mais là je pense que je vais me prendre des claquettes, les claquettes easy là. Tout propre. Et bah, et bah là. En vrai on peut laisser la caméra là, c'est stylé comme plan. Non, on peut faire ça. Elle tient, waouh. Oh mais moi Selena Gomez. Thomas il est fan de Selena Gomez. In the 14 carats, gonna wear that dress she likes skin tight. Tu veux quoi? Une glace. Et tu sais qu'il y a un truc, attends, je sais qu'à Saint-Tropez là, dans le centre, ici là, il y a des glaces où tu peux rajouter genre tout ce que tu veux dessus. Comme des sundaes genre. Vas-y, on fait ça, c'est parti. Trop bon. Et à chaque fois que je viens ici, j'en prends. Il y a qu'ici qu'on peut se balader à poil. À Paris, juste tu mets une robe, on te dévisage. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Mais déjà, tu sais, genre limite un short, moi à Paris, genre j'ai grave du mal à me mettre en short. Moi je le fais pas hein. Je mets un petit pantalon, genre un peu léger, mais pas de short. Vraiment autant que ça? Ah ouais, bah autant que ça. Barbarac. Je vais faire dire, je vais prendre un truc sale. Elles sont énormes. Putain de merde, il y en a partout. Ça m'énerve. Ils savent en plus dans les vlogs, à chaque fois que je mange une glace, je pète un câble. Je me bats contre la glace. Je me suis rendu compte que j'avais bien cramé. On est sur un énorme coup de soleil. Oh mon dieu. C'est trop beau, tout est trop beau. Moi en fait j'ai envie de faire des bouts de vidéos pour les reels. Il faut faire des plans de fou. On va aller manger au resto. En vrai, quelle heure il est? Tu veux? Ouais, c'est l'heure hein. Tous les vlogs, on
mange. On fait que manger. Je suis mitigée. Mon père, il voulait qu'on regarde le match ensemble. Quel match? Angleterre-Italie. J'ai pas... C'est toi qui décide. J'ai vraiment pas d'idée. En fait, j'ai pas une idée. Ou si... Ah, sinon, on peut aller à une fête foraine. Ah, pour manger? Non, pas pour manger. Oh, juste... Faire des attractions? Ouais. Bah vas-y. Go. 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 La meilleure idée que j'ai eue. Go à la fête foraine. Ah, quelle fête foraine? Tu peux chercher dans les... Mais il y a des fêtes foraines? Ouais, il y en a, c'est sûr. On n'y est jamais allé. On mange des churros et on se barre. Waouh! Un hélicoptère! Ici, on se déplace pas en voiture, on se déplace en hélicoptère. Parce que ça va plus vite. Pourquoi est-ce que je prendrais la voiture quand je peux prendre un hélicoptère? Ça, c'est mes playlists. Écoutez ce que tu aimes vraiment, vas-y. Tu veux? Viens, je te sors le genre un son énervé, ça va te faire mal au crâne. Accepté. Reprenez la carte. Mais quoi? Y a pas de carte. Putain, les galères de merde. Comment je fais là? Bah, je sais pas. Carrément, maintenant on appelle. Ah, merci. Ça y est, ils ont compris. T'es désagréable. Ah. Oh là là. Ah, ah non, j'ai un truc vraiment énervé. Je vais appeler des lumières. On dirait que je me suis pris un bus dans la gueule entre tout à l'heure et maintenant. Je suis trop fatiguée là, je m'endors. Mendy, c'est dramatique. Quoi? Tu te casses. Oh, c'est dur la vie. Terrible. Je vois que c'est la fin de cette journée. Mais la caméra, j'allais partir sans la caméra. Devinez où je suis? À Paris. J'ai monté cette vidéo toute la journée avec la pluie dehors, mes cernes, mon sweat parce que j'ai froid chez moi. J'ai monté la vidéo vlog à Saint-Tropez. J'ai envie de me suicider. Ah là là. Bon, ça y est, je suis rentrée à Paris. Donc c'était trop cool de cette journée, j'étais trop contente. Ce n'est peut-être pas la dernière fois que je vais dans le sud cet été parce que je ne sais pas. Je suis en train d'organiser avec Jérémy la fin du mois de juillet et tout le mois d'août parce que je vous prépare des petites choses. Vous savez qu'il va y avoir moins de vidéos au mois d'août, mais de meilleures vidéo à des destinations différentes. Je ne vous en dis pas plus, je vous tiendrai au courant bien sûr. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça me plaît trop de faire des vlogs en été. Je vais essayer de vous faire un petit peu d'autres vidéos que des vlogs aussi pour la fin du mois de juillet. Mais c'est vrai que je trouve ça trop cool de ramener un petit peu le soleil sur YouTube. Et moi, ce que j'aime trop faire aussi, c'est genre à la rentrée, en hiver, regarder les vidéos d'été, des vlogs d'été parce qu'on déprime un peu. Et voilà, franchement, ça me plaît trop de faire ça. Et je pense que je vais continuer à faire des vlogs d'été, à essayer de faire des vlogs soleil sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir été sur ma chaîne. Voilà. Quelle vidéo vous ferait plaisir? Un petit peu tout quoi. Ça me ferait grave plaisir. Et j'espère que votre été se passe bien. Si vous travaillez, courage, vraiment courage à vous. Et essayez si vous pouvez de vous accorder des petits moments pour vous reposer. Voilà, je vous dis ça parce que moi je travaille cet été, je fais plein de vidéos, etc. Même si je comprends qu'on dirait pas trop en voyant une vidéo comme ça. Et je sais à quel point parfois ça peut être dur de juste se poser et de rien faire parce qu'on est stressé, de pas travailler, etc. Donc voilà, je vous le dis, essayez si possible et je vais essayer avec vous de prendre des moments pour vous, de vous reposer, de penser à rien et de rien faire, de faire ce que vous voulez, on s'en fiche. Et voilà, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que je suis active tous les jours, comme ça vous êtes sûr d'être au courant de tout pour les vidéos et j'essaie de répondre au maximum à vos messages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas déjà fait. Je poste 2 vidéos par semaine toute l'année, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.